Ce mardi 18 juillet, Kate Middleton et le prince William ont visité un ancien camp de concentration en Pologne. Et alors que ce dernier a misé sur un costume sombre, la duchesse de Cambridge a préféré porter un ensemble fleuri très printanier. Kate Middleton et le prince William sont actuellement en déplacement en Pologne, ils sont arrivés à Varsovie lundi 17 juillet avec leurs deux enfants, le prince George, 3 ans, et la princesse Charlotte, 2 ans. Ce mardi, la famille royale est allée se recueillir dans l'ancien camp de concentration allemand nazi de Stutthof, non loin de Gdańsk, situé dans le nord du pays, vestige de la Seconde Guerre mondiale. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont notamment rendus au four crématoire et à la chambre à gaz du camp, avant de s'entretenir avec 5 anciens prisonniers. Une visite chargée d'histoire qui a beaucoup touché Kate Middleton et le prince William. Nous sommes profondément émus par notre visite à Stutthof qui a été le lieu de tant d'horribles douleurs, souffrances et morts, a écrit le couple princier dans le livre d'or du camp, selon des propos rapportés par la AFP ce mardi 18 juillet. Chacun de nous porte le grand poids de la responsabilité de garantir que nous saurons en tirer des leçons, et que l'horreur de ce qui est arrivé ne sera jamais oubliée et ne se répétera jamais, ont promis le duc et la duchesse de Cambridge. Pour l'occasion, on ne peut pas dire que Kate Middleton ait misé sur la sobriété, elle a en effet choisi un ensemble fleuri, certes très élégant, quoique certainement inapproprié pour une visite aussi solennelle. L'époustouflante épouse du prince William, qui, lui, a préféré porter un costume traditionnel de rigueur, a accessoirisé son ensemble par des sandales et une pochette dorée. Serait-ce une faute de goût ?